Yako Dibancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec un énorme plaisir pour la partie 2 du coup de ma battle sur les yaoi. Donc forcément moi je suis happy de faire cette vidéo, même si la dernière fois quand même j'avais douillé ma race pour faire certains choix, hein. Donc aujourd'hui je stresse aussi un petit peu parce que là forcément on a le meilleur du meilleur, on en a que 17 sur les 2x17 de la dernière fois, donc là il y a un peu plus de pression, voilà. Je te fais une petite parenthèse pour t'expliquer pourquoi une vidéo yaoi en plein mardi 27 mars. C'est tout simplement qu'on est aujourd'hui mardi 27 mars et que c'est l'anniversaire d'une de mes collègues youtubeuses. Je pense que tu vois de qui je parle si tu me connais un petit peu. Je parle bien entendu du professeur QWERTY. Enfin, il n'y a pas du... C'est juste professeur QWERTY le nom de sa chaîne. Et c'est tout simplement une amie youtubeuse qui est une accro yaoi et c'est un petit peu un de mes cadeaux. Voilà, il n'y aura pas que ça. Enfin, publiquement, c'est mon cadeau public. Après, il y aura sûrement des cadeaux plus ou moins en douce. Mais voilà, ça c'est mon cadeau public. Je poste cette vidéo le jour de son anniversaire parce que tout simplement, je sais qu'elle a déjà surkiffé la partie 1. Alors la partie 2, voilà. Donc, c'est tout. C'était voilà pour expliquer le pourquoi un mardi, t'as une vidéo yaoi. C'est tout simplement pour faire un cadeau. Voilà. Sinon, ça porte... Sinon, j'aurais posté par exemple un vendredi. Voilà, mais je t'explique quand même. Donc, comme la dernière fois, je t'explique vite fait. C'est tout simplement la dernière fois. Donc, j'avais pris mes 17 mangas de la collection Anna, collection de Bozov, et mes 17 yaoi de Taifu plus Asuka. J'ai fait une battle. Je tirais à chaque fois deux papiers. Je te disais lequel je garde, lequel je zappe. Et donc là, on va faire la finale pour savoir qui sont vraiment les meilleurs. Je ne referai pas une finale par derrière parce que ce serait stupide. Mais déjà sur 16, donc 17, ça t'en fait plus que 8. Donc là, ce sont vraiment les 8 que j'aime le plus. Et crois-moi, vu la crème de la crème qui est dans cette vidéo, ça va être très 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 compliqué. Donc je pense que tu vas te marrer à me voir galérer. C'est parti. Donc c'est reparti pour une nouvelle aventure. Donc toujours ma casquette, mes petits bouts de papier, je les ai refaits. Parce que comme ça, ça faisait... Voilà, je les ai refaits, j'avais la flemme en fait de rouvrir tous mes papiers, les trier pour savoir lesquels je gardais ou pas. Donc on en a 9 titres chez Bozov et 8 chez Taifu plus Asuka. Donc on est quand même plutôt équilibré. En ce qui concerne donc le fameux 17ème papier, donc bah oui, il y en a un qui est en trop. Parce qu'au départ, j'ai pensé, t'en tire un et il est supprimé directement, mais c'est pas cool pour le titre. Donc je me dis, je vais en piocher un et il me servira de joker. Et donc, je devrais choisir entre 3 titres à ce moment-là. Et forcément, ça, je devrais en zapper 2. Donc, je me dis, ça peut être plutôt pas mal de faire comme ça. Parce que sinon, j'ai pas envie non plus de choisir d'enlever un titre comme ça. Parce que j'ai pas envie de... C'est rendez-vous à Udagawashu, du coup. Bon, on verra rien de toute façon. Mais c'est rendez-vous à Udagawashu, qui est donc mon joker. C'est vrai que l'histoire quand même, il y a du lourd quand même au niveau de mon joker. C'est un bon choix quand même pour un joker. Donc je le mets juste dans la poubelle. Cette fois-ci, j'ai pris la poubelle. Parce que merci pour les papiers tout autour, quoi. Donc, j'en ai 2, c'est bon. Croisons les doigts. Cut. Ouf, on commence avec du lourd. Donc Cut qui est de Taifu. Des fous à Asuka quoi, parce que je sais jamais. Et le carnivore et le végétarien. Trop facile. Bien entendu, comme la dernière fois, j'ai les mangas avec moi. Je ne les avais pas rangés, vu que le jour où je filme, on est le 29 février. Ça fait même pas un mois que j'ai fait l'autre vidéo. Donc, que j'ai filmé la vidéo en tout cas. Donc, le carnivore et le végétarien des éditions Boys Love. Et donc, on a Cut de Taifu. Alors, Cut, je reprécise, c'est de Toku Kawaii, parce que c'est un mangaka qui a... beaucoup d'œuvres disponibles en France, mais j'en ai présenté 3. Les deux autres donc ont été strikés la dernière fois. Et il y a 2 autres œuvres que je dois lire, voilà. Tout simplement. Alors là, ça va être trop facile, franchement. Donc c'est bien, j'ai bien commencé parce que la dernière fois, ça avait été trop dur. Je choisis Cut. Il n'y a pas à chipoter. Un sujet dur, un sujet différent, un sujet important, imposant. Même s'il est bien plus fin, je choisis largement Cut. Je l'avais adoré. Après le scénario et tout ça, je vais pas trop te développer parce que j'ai déjà fait une vidéo. Donc tu es censé avoir déjà vu au moins la vidéo pour regarder celle-ci pour voir la finale. Ou alors bah, si tu as envie juste de savoir la fin et de pas passer par les étapes. Mais c'est dommage parce que tu loupes des informations du pourquoi, du comment. Donc, 2 papiers, oui.
On va avoir Lovely Teacher, ok, de Asuka. Et Quella Under the Snow de Taifu. Que je confonds toujours, en fait, je le crois toujours en tant que Boys of. Tout simplement parce que déjà, l'auteur a fait deux œuvres qui sont chez Boys of. Donc quand je le range, en fait, lui, il est rangé avec les Boys of. Et puis voilà, tout simplement, c'est pour ça. Et puis il est épais, donc ça fait penser à un. Voilà. Alors là. Franchement, c'est pas cool. Alors c'est de Kikana, ok, donc je vois, enfin je vois, c'est que Kikana elle impose quand même, hein, par rapport aux deux œuvres que j'ai lues. Mais en même temps c'est des amourettes entre deux adolescents, là c'est entre deux professeurs, les professeurs on n'a pas trop le sujet, ou alors on a professeur et élève, c'est plutôt pas mal. Alors je reprécise que celui-là, je donne mon avis sur les deux premiers tomes. La série est toujours en cours, le troisième tome est sorti, je ne sais pas si le tome 4 est déjà sorti ou pas en France. Mais moi j'ai lu les deux premiers tomes parce qu'à l'époque il était marqué comme terminé et maintenant il est marqué comme en cours. Donc c'est reparti. Oh, on en a deux directs, je suis trop fort là-dessus. Adolescence, Boy et Hit de Anna. Je cherchais, en fait je voulais dire Bozo mais après j'ai dit Anna. Et Viala, mon amour. Pas cool, donc on avait dit adolescente et bien là mon amour. Oh, quand même, c'est facile finalement, mais c'est pas cool. Non, non, pas eux, pas eux, c'est pas cool. Non, non, pas eux quand même. Tu sens là la bouille de j'ai pas envie de faire cette bataille. Mais j'ai pas envie non plus de rajouter rendez-vous à Dagawashu qui me fait de l'œil là, qui me dit oh je suis là, mais non non. Non non, bah c'est là, faut que j'en sépare deux. Alors franchement là ça va être très très compliqué parce que lui il était quand même vachement intéressant. Alors je suis désolée, je suis obligée de regarder le retour écran parce que sinon tu vas me voir à faire ça, voilà, je suis obligée de regarder le retour écran dans cette vidéo. Viala. Viala, mon amour. Je suis désolée, mais quand tu as une œuvre qui te montre à quel point on peut se sacrifier, on peut faire des choses par amour et tout ça, eh ben tu fonds, donc voilà. Je suis un chamallow. Voilà, je suis juste un chamallow et j'ai trop kiffé. Ouais, ça va vite, finalement, pour cette vidéo, parce qu'autant l'autre, il y en avait, mais foison. Autant ici, ça va plus vite. Ça fait bizarre en fait. Ça, je vois que j'en suis à 6 minutes et j'ai presque fini. Nouveau départ contre... Oh fuck. Open 24. 24 house. Nouveau départ contre Open 24 house. Okay. Oh non. Oh non. Mais non mais... Me regarde pas comme ça, rendez-vous à Dagawashu. Non, 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 ne me regarde pas comme ça. Non, non. Alors, je remets du bon côté. Open 24 à OCD que je t'ai présenté il n'y a pas très très longtemps sur la chaîne, pendant le mois de février. Et nouveau départ que j'ai présenté dans le début d'année parce que c'était une des nouveautés. C'est moi qui fais du bruit au cas où avec ma bouche. Nouveau départ. Je suis désolée hein, pour ce côté-là, enfin, pour Taifu Asuka, parce que ah là c'est dur, mais je peux pas en fait faire intervenir rendez-vous à Dagawashu parce que ce serait encore pire en fait. Mais ça le truc, c'est que j'ai vraiment tiré le pire. J'aurais tiré genre, il y en a un, franchement, je l'aurais eu en joker, c'est trop facile, je m'en débarrasse assez rapidement. Là, quand même nouveau départ, hein, j'ai re-réfléchi. Mes nouveaux départs, le coup du gars qui a été hétéro, qui se reconvertit, on va dire ça comme ça, hein, dans les grandes lignes et tout ça. J'ai trop kiffé. Franchement, je suis désolée. Je suis désolée, je te jure. Ça me fait mal au cœur, hein, franchement, de le poser dans la pile de ceux que j'ai pas sélectionnés. Ça me fait mal au cœur, je te l'avoue. Allez, c'est parti. Faut rester sérieux et faut rester fort. On va voir Galateria Supernova, donc l'illustration avec la glace de Anna. Oh d'accord, donc c'est encore pire.
avec Omae wa Isuji. Oh, peut-être facile. Alors, Galateria contre Omae. Je sais pas pourquoi, à chaque fois je dis Omae, j'ai l'impression de dire Stromae, le chanteur. Voilà. Bref. Alors là, en fait, je vais jouer la facilité. Je t'explique. Ça date d'il y a un petit moment, donc au niveau de mon avis, tu vois, il est un petit peu effacé. Et ça, c'est tellement, c'est assez récent parce que je l'ai lu cette année et je l'ai lu il n'y a pas... Oh, il y a peut-être un an quand même. Ouais. Non, même pas. Tac. Allez, on va jouer l'originalité du scénario avec le jeu de tu travailles pour moi pour me faire m'aider à dormir. Oui, c'est trop mignon, c'est chou. Donc voilà. Alors là aussi, hein, il y a un scénario plutôt fun et puis on est avec une histoire de glace et tout ça, mais ok, faudrait. J'admets qu'il faudrait que je le relise pour vraiment pouvoir faire une battle correcte là-dessus sur ces deux-là. Je te l'avoue, je te l'accorde. J'en suis conscient. Mais là, dans ce qui est actuellement dans ma tête, je choisis quand même Oh My What Sushi. Ah, j'ai un corps de chamallow, qu'est-ce que tu veux? Après, là, c'est un petit peu plus brut. Plus... Ouais. Voilà. C'est pas plus. L'étranger de la plage. D'accord, j'ai visé à côté. Ok, très bien. Et... Yes! I have... Enfin... Celui-là. Donc génial, je n'ai plus de place sur ma carte mémoire, il me reste 2 minutes, donc je vais te faire ce créneau là et après, bah, de toute façon il me reste 4 mangas à te présenter, donc je vais aller changer de carte mémoire. Donc j'étais en train de dire, on a un carré amoureux, donc c'est vrai qu'il y a l'originalité du scénario et tout ça et que c'est plutôt intéressant, mais à côté on a quand même le titan, à mes yeux, qui est l'étranger de la plage avec l'auteur de Kikana, enfin l'auteur Kikana, qui est l'étranger donc de Quella Under the Snow que je t'ai présenté au tout début je crois. Donc là, franchement, ça va trop être trop facile. C'est tout simplement lui qui... Au revoir. Et on garde l'étranger de la plage. Oui, parce que ça, c'est the best of the best. Hein. Franchement, lui... Il... De toute façon, à mon avis, presque à mes yeux, hein, je suis presque sûre à 100% que quelle que soit la battle, il est passé, lui, dans les « je te garde ». Donc c'est reparti pour moi. Je suis désolée donc, du coup d'avoir dû faire une coupure. Donc il m'en reste 4 titres. On a Mods, Turning Point, je n'ai jamais su comment faire le prononcer, Low Whisper et Pardonne-moi. Ça va être compliqué. Je te le dirai, ça va être compliqué. Par contre, j'ai plus de papier. Qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, on verra bien. Donc on a Low Whisper, justement, contre... Ah, bah c'est Omea. Je te montre, hein, c'est vraiment Omea. Je sais pas si on verra. Bon, c'était Omeawa. Donc Omeawa Itsuji qui était retourné dans ma casquette. Ok, je comprends mieux. Je commençais à me dire, attends, il vit contre pardonne. Ok, donc c'est pardonne-moi contre Love Whisper. Compliqué ce truc. Quoique finalement, non, forcément. Donc là aussi, hein, il y a des titres des fois comme L'étranger de la plage ou Love Whisper. Enfin, je sais jamais comment il faut le prononcer. Qui sont d'une évidence. Alors, pardonne-moi, honnêtement, le scénario il est badass, l'idée est sympa, originale, ça change de d'habitude. On est d'accord, j'ai adoré, et s'il s'est retrouvé dans la finale, c'est quand même, c'est plutôt pas mal. Dans la deuxième vidéo, je sous-entends, hein, bien entendu. Mais ça, bah voilà, hein, je pense que tu le sais, surtout si maintenant tu as vu peut-être ma vidéo sur la dépression, en espérant qu'elle n'ait pas été supprimée depuis. Voilà, hein. J'ai eu quelques petites casseroles au cul. Mais ça, j'en ai parlé de façon lors de ma vidéo justement sur ce manga. Je connais ce sujet. Bah voilà, je peux pas en fait. Tu vois, ce titre-là, je peux pas le mettre dans ce que j'aime pas parce que ça serait renier ce que j'ai vécu. Donc, c'est celui qui gagne. Et donc, les deux derniers, enfin les trois derniers plutôt, hein, vu qu'il me reste toujours. Il me reste toujours donc Rendez-vous à Odagawa Shu contre Turin Point. Alors ça c'est la fameuse histoire avec la différence d'âge dont je t'avais parlé avec un scénariste et un étudiant. Et on va avoir Mods. Alors du coup hein, je réinclus forcément Odagawa Shu vu que je ne l'ai pas utilisé. Et bien en fait, j'ai pas fait exprès mais en fait la réponse elle est comme ça.
C'est eux qui vont partir et celui-ci, pardon, Motz, qui va rester tout simplement parce que on va parler justement de prostitution, de... C'est un truc, voilà, dur, un peu violent, c'est du 16+, hein, ça c'est du 16+, pur et dur. Mais c'est tellement beau quand même comme histoire et tout ça, c'est tellement... Ça m'a franchement retourné les tripes quand je l'ai lu. Donc Motz qui gagne. J'ai donc fini avec l'abatteur, je vais quand même vite fait te remontrer les titres qui sont restés cette fois-ci pour te faire un petit récap. Et bah voilà, par contre ne me demande pas une partie 3, j'en suis incapable. Là, vu les titres, j'en suis incapable. On va avoir donc Motz des éditions Bozo. On va avoir Love Whisper des éditions Taifu. On a eu donc L'étranger de la plage, encore de Boys Love. Omae wa Itsuji. On continue avec Nouveau départ, toujours de Bozo. Je vais te faire ce côté-là, Boys Love. Donc, on va avoir Viens là, mon amour. On a Lovely Teacher. Et pour terminer, le dernier manga que j'ai à te présenter, qui fait partie de cette finale, c'est donc le manga Cut. Voilà qui, pour moi, sont les meilleurs yaoi de cette battle et de cette vidéo. Voilà, j'ai donc terminé avec ces yaoi, donc te présenter, te dire quels sont les meilleurs pour moi. N'hésite pas à les voir dans le sondage pour me dire si tu veux que je te... Ils ont glissé. Pour te dire si tu veux que je te fasse une battle comme ça sur tous mes yaoi de Boys Love, qui sont ceux à 4,99€, si tu veux une battle. Par contre, je te préviens, soit elle sort en juin ou cet été, ça serait plus vers juillet je pense. Soit je sais pas trop parce que j'ai pas envie de trop coller. Je vais espacer en fait là les deux vidéos yaoi avec la prochaine catégorie. Et j'ai pas envie non plus de trop coller parce qu'en septembre je te ferai forcément une vidéo battle déjà sur les mangas Halloween que je t'ai déjà présenté. Et voilà, à part si tu... Soit je te fais une battle genre shonen seinen ou un truc dans le genre, parce qu'il y a peut-être moins de seinen, shonen seinen par rapport à mes titres de shoujo. Soit je te fais une vidéo conclusion spécial Josei. Pas de battle pour te dire qui est le meilleur, mais je te fais une vidéo conclusion des Josei que j'ai lu, pour un peu comme une conclusion de maison d'édition, mais en version carrément le thème Josei. Voilà, donc n'hésite pas à me mettre tout ça en commentaire. Je te mettrai un sondage pour savoir si tu préfères la conclusion de Josei ou la battle shonen et seinen ensemble. Voilà, ou mais n'hésite pas vraiment à t'exprimer, à me dire justement ce que tu préfères, etc. Et je verrai aussi par rapport au sondage, bien entendu. Je te fais donc d'énormes bisous, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve très vite pour de nouveaux yaoi. Bah, je te retrouve logiquement, si tout va bien, vendredi. Bye !